T'as vu, Rocco, le nombre de gens qui se suicident au travail? Bon, tu sais, un stress permanent et tu franchis vite le cap. Heureusement, nous, ça nous arrivera jamais. Je plaisante. Moi, on me refait faire une émission avec Francis Lalanne, je me jette par la fenêtre. Direct. Antenne dans 10 ans. Dis, Rocco, tu veux m'aider sur les mots fléchés? Je bloque. Ouais, vas-y, on voit. Alors, on dit lettres. Amateur d'alcool, d'insultes raciales et aimant dégrader les villes en frappant à mort ses congénères étendus sur le sol. Cali? Non, trop court. Abruti? Non, ça rentre pas. Parisien? Pas possible, il manque une lettre. Supporteur? Ah ouais, c'est ça. J'ai vu un film super hier. Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre, avec un Jean excellent. Ah oui, cette façon de se jeter sur la direction de l'EHPAD en dégageant deux vêtements pour ensuite refuser mes concerts. Non, je te parle de Jean Dujardin, pas Jean Sarkozy. C'est parce que t'as dit qu'il tire plus vite que son ombre que j'ai confondu, parce que pour descendre ses adversaires, il va même plus vite que son père. Ouais, il y a du vrai. T'as vu maintenant, les multirécidivistes demandent eux-mêmes à se faire castrer. Manquerait plus que Marc Lévy demande lui-même à se faire couper les mains et le monde serait idyllique. Vous connaissez l'histoire de Paf Michael? Bah, c'est Michael Youn, il traverse la rue et à ce moment-là, moi je passe en bagnole et Paf Michael. Voilà.